retrouve pour une vidéo. On va parler de la Bux Prescription Lab. Alors, comme vous savez, je prends la Bux Prescription Lab depuis un peu plus de 6 mois maintenant. J'en suis à 6, 7, 8 mois. Avant ça, j'avais fait quelques mois aussi, j'avais arrêté. Bref, vous avez fait une vidéo où vous avez expliqué. J'en ai déballé quelques-unes sur cette chaîne et je voyais qu'il n'y avait pas trop de vues, que ça ne vous intéressait pas. Donc du coup, maintenant, je l'ai fait sur IGTV, sur Instagram, et ça vous plaît bien. Donc tous les mois, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous fais les IGTV des Bux en direct de la Bux Prescription Lab. Donc il faut savoir que Prescription Lab, c'est une Bux créée par des femmes, gérée entièrement par des femmes, avec la marque Prescription Lab. Qui sont des produits d'ingrédients naturels avec une composition plutôt clean, et ils essayent un maximum aussi de mettre des compositions plutôt clean. Dans cette vidéo, je voulais vous faire un petit retour sur 6 mois, sur les Bux du mois de juin à décembre de l'année 2019, pour vous montrer un petit peu les coups de cœur produits que j'ai eu, qui fait que cette Bux, elle est quand même particulière comparée à d'autres. Et franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup, et pour l'instant, je ne suis pas prête de l'arrêter parce que je suis toujours très surpris. Donc, on va commencer par celle du mois de juin où j'ai découvert deux pépites particulièrement. Déjà, je voudrais dire qu'à chaque fois, on a généralement un petit cadeau en plus ou quelque chose qui peut nous servir. Et dans cette box, il y avait ce petit pochon en tissu que je me sers beaucoup beaucoup quand je pars en voyage ou en week-end pour mettre mes boucles d'oreilles. Souvent c'est ce que je fais, mes boucles d'oreilles ou mes élastiques. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est sympa et je me sers beaucoup. Et au niveau produit, alors il y a un produit que j'adore, c'est un produit pour les cheveux. Donc ça s'appelle mon soin quotidien, c'est de la marque Saeri. C'est à l'huile de figue de Barbarie. Donc c'est un produit avec zéro silicone, parabène, sulfate, etc. Fabrication française. Et 96% d'origine naturelle. C'est une huile, ça sent plutôt bon. Et en fait, vous pouvez vous en servir sur cheveux mouillés pour retravailler vos boucles. Ou alors pour protéger de la chaleur si vous faites le sèche-cheveux ou le lissage. Vous pouvez vous servir à plein de choses. Et j'adore ce produit. Je l'avais reçu au mois de juin. Donc au mois de juillet, je l'avais pris pour la Tunisie. Et je me mettais pour protéger mes cheveux. Ils ont bien protégé du soleil. Ça ne les a pas abîmés. Et puis quand je voulais laisser mes cheveux mouiller et tout et faire des belles ondulations, des belles boucles, bah j'ai utilisé ce produit aussi et il fonctionne super bien. Donc ça a été une vraie découverte. Et aussi la poudre ensoleillante. Donc là, c'est vraiment le produit Prescription Lab. C'est un 5,5 g. Le packaging, il est solide, hein, il est balèze. Et la poudre, elle est un peu lumineuse, mais pas trop. Composition nickel, hein, pareil. Trop top, et j'avais eu la teinte moyenne qui me va bien et respecte bien les conditions. J'adore. Au mois de juillet, la petite pochette, c'était la petite pochette transparente comme ça écrit Habibi. C'est une pochette qui peut servir très bien pour prendre l'avion, parce que vous savez, maintenant on doit les mettre dans les plastiques pour protéger, et ça, je trouve ça super bien. Ou du coup pour l'été, pour mettre le maillot de bain. Donc c'était plutôt top. On avait une crème Baja qui a été une bonne découverte, parce que j'adore les crèmes Baja, mais là celle-ci c'était à la fleur d'oranger. Et je suis pas non plus une ouf fan de la crème d'oranger, mais la crème, elle était trop bien, ça sentait trop bon et j'ai adoré. Voilà, on avait ce produit, et surtout dans la marque Prescription Lab, vous voyez c'est presque fini. Le gel nettoyant visage à l'eau de rose plus aloe vera, 98% d'origine naturelle. C'est un gel pour se laver le visage. Alors au début, je me disais, ah, c'est bizarre le gel et tout. Je suis toujours un peu perplexe. J'aime bien les mousses, les choses comme ça. Gel, c'est toujours bizarre, mais c'est très doux. Ça nettoie bien. Mais en plus, c'est pour tout type de peau. Donc ouais, j'ai vraiment coup de cœur. Encore une fois, produit Prescription Lab, vraiment au top. Au mois d'août, ils avaient tout déchiré. On a eu carrément cette belle pochette en tissu en collaboration avec Babouska. Magnifique. Voilà, c'est ouf la pochette. Donc moi, elle est tellement belle que moi, je m'en sers comme sac à main en fait, hein, comme pochette. Sur une photo Instagram, j'avais rajouté une ceinture aussi. Je l'avais mis en banane.
Franchement, mais alors là, enfin, je veux dire, la pochette, la valeur, elle est plus que la box, quoi. À chaque fois, c'est sûr que, vu les prix des produits, on en a pour largement le prix de la box, très, très, très largement, mais des fois, c'est ouf. Et au niveau produit, bah, c'est le produit Prescription Lab, la lotion nettoyante apaisante eau de bambou plus lait d'avoine. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce produit? Je ne comprends pas comment l'utiliser. Et en fait, c'est trop, trop top. Je l'ai presque fini. C'est une fois que vous êtes démaquillé, que vous êtes lavé le visage, vous passez ça avec ils disent un coton, mais moi du coup j'utilise une lingette lavable. Vous passez par-dessus, ça va vous apaiser, ça va vous rafraîchir, mais c'est surtout que vous en regardez dessus et en fait vous vous rendez compte que malgré le nettoyage démaquillage, c'est encore sale. Votre peau, elle est encore sale. Des fois, bah, c'est même pas démaquiller bien correctement la peau ou nettoyer en fait. Donc voilà. Et ça fait du bien, en plus ça hydrate, donc moi pour ma peau c'est vraiment top. Après ils disent tout type de peau, voilà, nettoie, apaise et hydrate ce produit est vraiment vraiment ouf, 98% d'origine naturelle, au top. On continue avec le mois de septembre, alors on avait eu un petit pochon rose et cette fois-ci c'est avec une matière mais super douce, effet peau de pêche, magnifique. Alors là celle-ci par contre je m'en sers pour tout ce qui est... linge, choses à mettre comme ça dans les quand je pars en vacances en week-end parce que c'est alors celle-ci par contre en peau de pêche elle est magnifique franchement voilà très très beau. On avait eu aussi ils avaient fait une collaboration donc on avait eu une culotte en dentelle donc là je l'ai pas allée au sale donc voilà magnifique si vous voulez aller voir l'IGTV du mois de septembre. Et au niveau du produit on avait eu Lash Protect de chez Uriage. Soin combleur, multi-correction instantanée, pareil. Au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une crème, c'est une base, c'est un sérum. En fait, ça fait tout. Et moi, je l'utilise par-dessus ma crème de jour, comme si c'était une base, en fait. Parce que elle floute super bien la peau, elle la lisse et en même temps, elle a un effet à long terme. Parce que moi, j'avais une petite ridule, là, je l'ai toujours, c'est une ridule de quand je plisse vraiment. Et en fait, elle restait. Et ça, je me disais, non, c'est pas possible. Et en fait, quand j'ai utilisé ce produit, eh ben, elle s'est estompée, mais carrément. Et voilà, ils disent rides, sillons profonds, grains de peau irréguliers, ça marche pour tout, sans les inconvénients de la base. Donc voilà, je trouve ce produit hyper top et c'était une bonne découverte de l'avoir dans cette box. Au mois d'octobre, on était encore sur le pochon, mais un plus petit celui-ci et plutôt en coton lin, je pense. Pareil, trop pratique pour partir en vacances, pour mettre des choses dedans, les boucles d'oreilles, les élastiques, peu importe, c'était trop bien. On a eu ce produit, la lotion Phyto Peeling de chez 5 Mondes. Donc c'est un perfecteur de peau, lisse, élimine le teint et sans alcool. Je l'ai mis dans mes coups de cœur, celui-ci. En fait, j'aime pas utiliser généralement les lotions, tout ça, ça me rajoute un truc en plus et ça me saoule. Mais là, franchement, je me lave le visage le matin. Des fois, je le fais même le soir. Je me lave le visage, je mets mon spray d'eau de rose et je mets ça par-dessus. Et depuis que j'utilise, ma peau, elle est super belle. Ça m'enlève les taches d'acné et ça me lisse la peau. Et elle sert à ça, en fait. C'est vraiment peau lisse et illumine le teint. Alors, illumine le teint, j'ai pas vu. Mais ça lisse en fait, donc des fois ça a tendance à picoter un peu, c'est normal parce que dedans il y a il y a des pectines en fait, c'est un peeling, hein. C'est vraiment un peeling végétal, donc de fleurs, donc ça pique, mais ça pique très léger et ça dure 3 secondes, même pas 3 secondes. Et depuis que j'utilise, ma peau elle est vraiment mieux, donc vrai coup de cœur, parce que je l'aurais jamais acheté sans l'avoir eu dans la box. Et le produit Prescription Lab, donc c'est l'huile visage Roucou Jojoba, donc la beauté du flacon, avec plein de fleurs à l'intérieur, véritablement. Et donc voilà, c'est de l'huile de Roucou et Jojoba, c'est une pipette, et c'est vraiment quelque chose que j'utilise le soir quand je sens que ma peau, elle n'est pas très belle. Et ben, je la mets dessus, ça remplace une crème de jour, une crème de nuit, ça remplace un sérum, comme vous voulez. Moi, je sais que j'utilise souvent, c'est le soir quand je... Quand j'ai pas besoin d'hydratation particulière, même s'il y a du jojoba, donc ça hydrate. Mais quand je sens que ma peau, elle est pas belle, eh ben je l'utilise. Voilà. Donc soit je la mets et après par-dessus une crème, parce que moi je suis toujours plus. Soit je la mets juste comme ça suffit largement et ça sent plutôt bon.
Ouais, ça, elle a une bonne odeur et tout, elle est agréable. Elle est entre l'huile grasse et l'huile sèche et un peu une texture un peu particulière. Vraiment top. En plus, c'est joli dans la salle de bain. Au mois de novembre, on a eu un petit pochon pareil en coton écrit Coucou Beauté. Donc voilà, donc ça par contre, je m'en sers plus celui-là comme pour mettre les fruits secs quand, voilà, quand je vais en magasin bio pour mettre les amandes, les choses comme ça. On a eu du coup la crème pour les mains fleur de géranium de la marque Kerzon. Et elle est presque finie parce que je l'adore. Je la mets là de tout l'hiver, là, depuis qu'on l'a eu. Donc c'était celle du mois de novembre. J'arrête pas. C'est super agréable. Elle n'est pas grasse. L'odeur, elle est légère. Elle sent bon. Ni trop fort, ni pas assez. Et au niveau hydratation, elle est moyenne. C'est pas une extra hydratation de fou. Ou du moins, l'effet ne dure pas trop longtemps parce que à un moment là je sais que ces derniers temps j'avais les mains très très sèches et j'ai changé pour trouver une un peu plus hydratante, mais ce qui est bien c'est que elle est pas grasse et ça j'adore les crèmes de main qui deviennent grasses là, comme celle que j'utilise d'ailleurs. Voilà, j'aime pas celle-là, elle est nickel, les mains elles sont presque secs et ça sent super bon. Elle est vraiment vraiment trop bien et la composition est top et elle est faite en France donc me demander de mieux. Et on avait eu aussi du coup le bon pour le corps de la marque Prescription Lab qu'ils ont fait spécialement avec les avec du miel fabriqué à Paris, donc miel et cire d'abeille. C'est un baume, mais waouh, il a une texture très très particulière, agréable. Ça nourrit bien, ça répare bien. RAS, voilà. Après, je suis pas une grosse fan des peaux. De tout ce qui est crème récupérée dans les pots, mais voilà. Et en plus voilà, c'est une très bonne compo, 99,5% d'origine naturelle, elle est faite en France et à 150 ml, donc c'est vraiment pas mal. Et au mois de décembre, alors là le pompon, on a eu cette super belle pochette que vous pouvez utiliser comme vous voulez, hein, soit pour mettre vos produits de beauté ou pas. Moi elle est tellement belle que je m'en servirai parce que je m'en suis pas encore servie pour sortir, voilà. On est d'accord, c'est très classe. Voilà, avec le petit. C'est un peu gravé la Prescription Lab, là. Et en fait, au début, je me suis dit, oh punaise, c'est du cuir, c'est chaud. Et en fait, c'est un cuir végétal. Et c'est assez ouf comment c'est bien fait. Et d'avoir une pièce comme ça dans une box. Enfin, ça, c'était la box, en fait, avec les produits dedans. C'est assez ouf quand même. Donc, une belle surprise pour le mois de décembre. Et en niveau produit, celui que j'ai vraiment aimé, c'est le sérum nourrissant réparateur visage et cou de chez COS. Donc rien que le prix du produit, c'est assez ouf. Et donc en fait, moi je l'utilise le soir comme sérum en fait. Et après par-dessus, je mets soit une huile encore ou soit une crème. Et en fait, ce produit, il est super super efficace. Dedans, il y a de l'argan pour l'hydratation, du jojoba pour régénérer et hydrater aussi. Et du pépin de raisin qui tonifie. C'est assez neutre, mais c'est vrai que vu ce qu'il y a dedans, ça justifie pas trop le prix. C'est un peu particulier, mais en tout cas, ça marche de ouf. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Comme sérum de nuit, c'est vraiment, vraiment le top. Voilà, je vous ai fait le tour depuis le mois de juin, donc 6 mois de Bucks. C'est plutôt des très, très bonnes pépites. Évidemment, il y avait plein d'autres produits, je vous ai parlé dans les produits finis du mois. il y a d'autres produits que j'ai reçus, je ne vous en ai pas parlé parce que je ne les ai pas testés. Donc, je préfère vous parler de produits que j'utilise et que j'ai testés. Et puis, voilà. Donc, dites-moi si cette vidéo vous a plu, si c'était intéressant de savoir les produits Prescription Lab et les produits qu'on a dans la box Prescription Lab. Si ça vous plaît, n'hésitez pas, je pense que je dois avoir un code parrainage ou un truc comme ça, mais c'est vrai que je le mets jamais, donc j'essaierai de le mettre dans la barre d'infos si j'y pense. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur Utip, merci beaucoup, je vous fais des bisous parce que c'est vraiment adorable de me soutenir. YouTube me donne pas d'argent, donc voilà, et du coup sur YouTube vous regardez des pubs et ça me rapporte des centimes et on cumule pour le mois pour acheter plein de produits pour pouvoir tester, faire une vidéo première impression nouveauté avec les sous que vous aurez cumulés sur Utip. Je trouve le concept trop trop bien, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.